L'histoire de verre en main. Pour une fois, j'avais réussi à me lever avant 2 heures de l'après-midi, si bien que j'étais arrivé pile chez Panique pour l'heure de l'apéritif. J'y trouvais verre en main en compagnie de 2 belles filles danoises et cul sec, un peu nerveux car depuis la veille il essayait de ne plus fumer. Hier soir, nous confia verre en main, je suis rentré chez moi vers minuit. Ma femme me tombe dessus à bras raccourcis, en disant que je suis un ivrogne, que je passe ma vie à traîner dans les bars comme un bon à rien, au lieu de la dorloter et de la sortir au cinéma comme les maris de ses copines. Bref, elle me passe un savon du tonnerre. Dès que je peux placer un mot, je lui explique comment j'ai été arrêté par les flics parce qu'ils m'ont pris pour l'ennemi public numéro 1. Et le temps que j'ai dû poireauter au quai des Orfèvres avant que les inspecteurs de la brigade anti-gang viennent me tirer d'affaire. Bon, je réussis à la calmer et on s'endort en amoureux. Ce matin, je suis réveillé par un coup de téléphone. C'est le type qui habite en dessous de chez moi, il me récite mot pour mot notre scène de la veille, parce qu'on entend absolument tout ce qui se passe dans l'immeuble tellement ça résonne. « Et alors ?» je lui réponds. « Adressez-vous à l'architecte, ce n'est pas moi qui ai construit la baraque !» Il ne prétend pas le contraire. La raison pour laquelle il téléphone, c'est qu'il est collectionneur, mais pas collectionneur de n'importe quoi. Collectionneur de mensonges. Il a trouvé le mien avec l'ennemi public numéro 1, si beau, si neuf, si astucieux qu'il désire me l'acheter. Il me supplie de lui faire un prix honnête, parce qu'il n'est pas milliardaire, et que c'est uniquement par amour de l'art du mensonge qu'il collectionne. Pas pour spéculer, comme tant d'autres. Finalement, on s'est mis d'accord pour 5000 balles. Nouveau, bien sûr. Je n'ai pas perdu ma soirée hier. Alors, et t'as payé ? Rubis sur l'ongle. Cash ! Je n'ai eu qu'à descendre un étage. Cussec, n'y tenant plus, s'empara de la dernière cigarette du paquet posée sur la table. Il l'alluma avec une expression d'avidité presque répugnante. Faudra que je passe au tabac pour me réapprovisionner. Verre en main haussa les épaules. Si tu n'es même pas foutu de te retenir de fumer pendant 2 jours, ça te regarde, mais tu pourrais au moins prendre les tiennes. Tu crois que je ne l'ai pas vu dans ta poche ton paquet tout neuf? Ces mensonges-là, ça vaut à peine 10 sacs. Et encore, il faut trouver l'amateur. L'histoire de coupe-cigare. On ne s'entendait plus chez Panique. La discussion faisait rage, pour une histoire d'addition, car 2 minutes s'étaient trompées de quelques francs à son avantage. Toute la salle était en effervescence. La fortune vient en volant, commenta Cussec. Mais ça n'a pas toujours été pareil. Je ne sais pas si vous avez connu ce type, coupe-cigare. Il possédait des milliards. Mais ce qui le rendait exceptionnel, c'est qu'à l'encontre des autres gens riches, tous d'une probité scrupuleuse, il était vraiment malhonnête. Coupe-cigare avait tout de la fripouille. Parti de rien, il avait prospéré en vendant du plâtre étiqueté « lait en poudre » aux enfants du tiers-monde. Puis, il avait tiré de gros bénéfices d'un trafic d'ongles à ronger, qu'il arrachait aux pauvres pour les vendre à prix d'or aux enfants des nantis. Il spéculait sur l'immobilier, les médicaments, les armes. Charmante nature, en vérité. Ses pères, les milliardaires honnêtes, indignés par ses procédés indélicats, décidèrent d'intervenir. Coupe-cigare fut convoqué à une réunion extraordinaire du CNPF, et là, il passa un sale quart d'heure. « Vous ne pouvez pas continuer de cette façon, vous ternissez notre image de marque, vous êtes la honte des capitalistes, vous n'avez pas de morale. » Coupe-cigare supporta stoïquement le déluge de critiques, mais en sortant, il écumait de rage. « Non mais, pour qui se prennent-ils ces pères la pudeur? Qui osent me faire la leçon? Si j'avais été un petit saint, je ne serais pas milliardaire. Je reconnais que j'aime l'argent, mais l'argent me le rend bien. Il me saute quasiment tout seul dans les poches. Est-ce que c'est un péché? Ils disent que je suis immoral, mais la morale, avec de l'argent, ça se change. » Ainsi fit-il. Il acheta des juges à la Cour suprême, des philosophes, des artistes, des instituteurs, des journalistes et même des moralistes. Si bien qu'un beau matin, la morale fut transformée de fond en comble. Méconnaissable morale. Ce matin-là, Coupe-cigare se réveilla dans la peau d'un petit saint, tandis que tous les collègues du CNPF devinrent subitement des crapules. « Elle a une morale, ton histoire ?»«
Oui, sur 100 milliardaires, aujourd'hui, il y a 99 fripouilles. Quant au centième, si on remonte dans son passé, il n'est pas tout blanc. Les milliardaires qui se trouvaient parmi nous s'insurgèrent. L'histoire de tant qu'à faire. Nous parlions justement de tant qu'à faire qui, depuis quelque temps, ne se sent plus pisser, lorsque 2 minutes l'appela au téléphone. Il n'est pas encore là, répondit Vérand'Main, mais il ne devrait pas tarder, c'est son heure. Bon, j'ai demandé qu'on rappelle. Nous continuâmes à parler des ravages exercés par le printemps précoce sur les petits vieux. Un quart d'heure plus tard, 2 minutes revenaient. On demande encore monsieur tant qu'à faire. Qu'est-ce que je dis? Il sera là d'une minute à l'autre. Bon, je vais faire la commission. Même manège jusqu'au soir. On réclamait tant qu'à faire tous les quarts d'heure. Lorsqu'il apparut enfin au café Panique, nous lui demandâmes assez indiscrètement, il est vrai, ce que désirait ce correspondant tenace. Il eut un sourire gêné. Rien de particulier, mais vous savez, depuis quelque temps, je ne me sens plus pissé. Alors, pour épargner mes pantalons, je me suis abonné à un service téléphonique. Comme ça, chaque fois que je vais répondre, je passe devant les toilettes, et je suis bien obligé d'y penser à cause de l'odeur.